différent, c'est un public qui est plutôt chaleureux, on va dire. Ils vont là, ils vont passer le week-end, que ce soit les supporters des Dragons ou les supporters anglais, où ils se retrouvent vraiment au même endroit. Et c'est vraiment, je pense, une sacrée fête pour tout le rugby à 13. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend ça pendant la saison. It's a great weekend, the magic weekend. I think it's very, very different. I don't know any other sports that do it, so it's great. It's great for the players to be involved with all the teams, all at one venue on the same weekend. It's a really great concept. Ça casse la routine déjà parce que tu as un coup d'envoi à 12h30, donc ce qui veut dire qu'à 8h, tu 8h30, tu fais déjà ton repas d'avant match, et à 10h du matin, tu pars au stade. Donc voilà, c'est différent par rapport au temps. C'est différent parce qu'à un moment donné, c'est dans un super stade. Tu n'as pas l'habitude de jouer. Une ambiance différente avec les supporters de tous les clubs qui regardent même le premier match des Dragons catalans contre Londres. Donc voilà, une ambiance différente. Après voilà, le but c'est de focaliser sur l'adversaire, sur les deux points à prendre et essayer de mettre l'ambiance un petit peu de côté. So it was great to come back there last year and get the win. Obviously my first game back, so I thanked Fish after the game for the pass last year. It was a bit of fun. Always good to get a try, and on my comeback game last year, it was great. Very, very good memories from last year. It's a fantastic stadium, and there's always a great atmosphere. And yeah, I'm disappointed that I'll be missing the game, but hopefully the boys can go there and get the win. Je me souviendrai, je crois, toute ma vie, cet essai, c'est un essai de Julien Chagas. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est le voleur de poulet. On avait dit ça après le match. Et on était mené 16-0 contre Londres. Il restait très peu de temps à jouer. Et dans les 5 dernières minutes, il y a Julien Douchagas qui fait une interception. Et je sais que ses camarades se sont longtemps moqués de lui parce qu'ils l'ont appelé le voleur de poulet. Et il avait mis le ballon sur le bras et personne n'a arrivé à le rattraper. Donc voilà, et grâce à cette interception, on avait ramené les deux points de Cardiff. Il marque un essai de 90 mètres, je crois. C'était d'ailleurs contre Londres. Et après ça, on gagne le match. Donc c'est vrai que c'est vraiment un bon souvenir. Et voilà, on se moquait un petit peu de Julien, mais ce jour-là, Julien nous avait fait gagner les deux points.